تقول لنا على اللي كيوقع الناصر الزفزافي دابا اكثر من 10 شهور هو في الزنزانه الانفراديه، شنو تقدر تقول انت كمنظم حقوق الانسان؟ يعني المجلس الوطني حقوق الانسان ماشي منتخب. Je vous pose la question en français. Je vous demande en tant qu'organisation officielle, mais il y a un certain nombre. Je ne suis pas une organisation officielle. L'organisation. Mais vous défendez la version officielle. Vous défendez la version officielle. Mais non, monsieur, c'est vrai, ouais, ça fait. Vous avez déjà votre point de vue, vous ne voulez pas discuter là. Bien. Vous avez le droit d'être militant, ce n'est pas un problème. Mais vous ne voulez pas discuter, c'est tout. C'est quoi, monsieur? Des mois dans une cellule isolée, vous trouvez ça normal? Ça, c'est pas normal, oui. Pardon? Mais vous ne l'avez pas cité, hein. C'est une violation grave des droits humains quand même. Une personne. Oui, c'est ça. Une organisation de droits humains. Oui. Qui suit un procès, qui est encore en cours. Mais il doit dénoncer les violations qui sont sur le terrain maintenant. Je n'ai pas fini. Oui. Voilà, je dis, est-ce que vous trouvez normal qu'une personne, des mois dans une cellule isolée? Presque une année. Vous trouvez ça normal en tant qu'organisation qui défend les droits de l'homme? Donc, je vais vous expliquer une chose. Oui. Dans le monde des droits de l'homme, les organisations professionnelles, pour ce qui est un procès, on n'intervient qu'à la fin. On écrit, on publie un rapport à la fin. On ne parle pas de la procédure judiciaire. Il y a deux choses qui sont différentes. Il y a des violations dans l'incarcération et même dans la détention de cette personne-là. Et effectivement, mais il y a la procédure judiciaire. On ne demande pas d'intervenir dans le procès judiciaire. Mais en ce qui concerne les violations des droits de l'homme qui sont actuellement... C'est une personne torturée, des fois dans une cellule isolée. C'est de la torture. C'est de la torture. Sortez-le de la toilette au moins, mettez-le au moins dans une cellule avec tout le monde. Il prend 11 médicaments par jour. Mais on ne l'aura pas. C'est quelque chose, c'est une question de certaines personnes. Il y a beaucoup plus important pour nous qu'il sache qu'il fait pas son travail correctement, qu'il est en train de maquiller l'État marocain, parce que l'État marocain... انا هضرت ماشي كتب. عطينا الكلمه عمو ما تهربش. هو جاي يدير اجتماعات ما جاش يعطيك الكلمه. يعطي الكلمه بزز عليه. عندنا بزز ماشي بزز عندنا الحق. لا عندنا الحق خويا عندنا الحق. وبزز وبزز. كتفرض على الناس. صافي وكتفرض على حقوق الانسان. فهمني قلتي لي تما تما تيسير لا كيقول له حقوق الانسان بزز عندنا. بالضبط شنو نديرو؟ واش غاديروا؟ شنو نديروا؟ واش كديروا انتوما؟ دابا عاد قلتي بلي راه على الاقل الناس غير ايزولي. قلتي دابا عاد بلي غير 200 واحد غادي يشبروا تحت الارض وما يشبروش. C'est important, il doit passer le message. Dire deux minutes, ça va. Ça. J'ai qu'une. C'est l'interview. Une minute. Ça. Bon, on est
doit partir. Au moins, il va être très calme. داك الطريقه كيتشدو كدير من الحسينات ديال التوريث ديال Votre position, c'est de défendre l'État ou de défendre les gens qui ne peuvent pas avoir accès à la justice. Vous fuitez maintenant, hein? C'est la fuite. C'est la fuite vers l'avant. Et on va de toute façon se rencontrer. On va se rencontrer plusieurs fois ici, dans le Parlement, à la Commission, au Conseil. Vous allez vivre une vie de torture. On va vous torturer, comme vous êtes en train de torturer les prisonniers RF1. Dans le RIF. Et vous, monsieur Yazami, vous êtes la honte. En fait, vous êtes le compère de l'État marocain, comme il l'a dit Nasser Zbzafi. Vous êtes venu ici pour que les excréments que l'État marocain est en train de rejeter dehors, qu'ils soient tombés sur vous et pas sur eux. Et rappelez-vous de ça quand vous allez vous mettre le matin devant votre miroir. Allez, montez. Le matin de votre miroir, vous que disons, quand vous posez la question, pourquoi Zbzafi est en train de dormir dans une toilette, qu'est-ce que vous allez lui répondre? أيوزه مصطفى أيوزه أيوز ما تعاودش تدفع انت ما تعاودش تدفع كنهضر معاك